Bonsoir, il y a déjà quelques personnes qui me regardent. Vous m'entendez? Bonsoir, 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 pardon. Je suis en train de partager avant de pouvoir commencer. Bonsoir les amis qui commencent à arriver. J'espère que vous allez bien. Faites-moi un coucou, dites-moi d'où vous me suivez, s'il vous plaît. Je partage rapidement et puis on va pouvoir commencer. Ce serait aussi bien que je sache si vous parvenez à m'entendre, si vous entendez ce que j'ai dit. Ma voix n'est pas au top, mais je pense quand même que je me fais entendre. Je pense quand même que vous m'entendez. Ok, merci Aristide de ton retour. Bonsoir ma chérie, bienvenue à Spotlight. C'est vrai que c'est une émission. C'est vrai que c'est Spotlight, mais de Makit en fait. Il faudra que je trouve une intro pour Makit. Les vieilles habitudes. Hein. J'ai toujours l'habitude de dire bienvenue à Spotlight. Mais aujourd'hui vraiment, j'ai encore publié le live sur Afro Entrepreneur Network parce pour inviter les gens à me suivre aussi sur Makit, parce que sur Makit, comme je l'ai dit il y a 2 semaines, je ferai des lives vraiment des lives relatifs à la thématique de marketing digital. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, ne manquez pas de me suivre sur la page Afro. Ne manquez pas de me suivre sur la page Makit.marketing. Je pense, attendez, je vais épingler rapidement le lien pour que vous soyez sûr de me suivre sur la bonne page, quoi. En fait, c'est pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Francine Akemé. J'anime d'habitude l'émission Spotlight. L'émission Spotlight, c'est une émission qui est axée sur l'afro-entrepreneuriat. Donc, j'ai toujours eu à inviter des entrepreneurs de la communauté, donc des entrepreneurs africains et afro-descendants qui viennent sur ce plateau et qui viennent nous partager leur expérience, qui viennent partager leurs difficultés dans l'entrepreneuriat, question de nous édifier. Et j'ai également créé mon entreprise Makit, qui est une agence de communication et de marketing digital. Et depuis, bon, j'ai relancé les activités parce que c'est l'année dernière, en fait, que j'ai créé la structure. Et j'ai relancé les activités, je me suis réorientée et j'ai relancé les activités. Donc, ça fait que je suis en train de communiquer beaucoup plus sur Makit. Et là, aujourd'hui, par exemple, ce live, c'est un live de Makit. Sauf que je l'ai également publié sur la page Afro Entrepreneur Network. Ça devient un peu compliqué. Je ne sais même pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, permettez-moi, s'il vous plaît, de partager rapidement et puis on va pouvoir commencer. Comme je l'ai annoncé, vous avez certainement vu sur mes réseaux. L'annonce d'aujourd'hui, on va parler du marketing, du e-commerce automation. Donc, comment booster son business en ligne grâce à l'automatisation. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Bonsoir à Georges Nana. Merci à toi d'être là. Je suis vraiment ravie de te voir connecté. Bienvenue, installe-toi. Et quand on arrive, vraiment les amis, invitez vos amis à nous rejoindre. Les personnes que vous connaissez autour de vous, qui ont des business en ligne, ça sera vraiment, c'est vraiment la thématique d'aujourd'hui sera beaucoup plus spécifiée pour les business en ligne. Ça n'empêche pas que vous pouvez, même si vous n'avez pas un business, une boutique en ligne, un business en ligne, que vous puissiez vous aussi bénéficier de ce que je vais partager, de ce que je vais parler ce soir. Donc, partagez vraiment, partagez, mettez-moi des likes et partagez. Ça fait plaisir de voir les likes, ça fait plaisir de voir les interactions. Donc, je compte sur vous. Alors, je fais encore rapidement un tour pour saluer les personnes qui sont déjà connectées et qui ont bien voulu me dire bonsoir. Bonsoir, voix d'homme. J'espère que tu vas bien. Voix d'homme, l'émission qui donne la parole aux hommes. Ça, c'est intéressant. Avec sa promotrice, Danielle. Coucou, Danielle. Je sais que c'est toi derrière. J'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi.
On parlera, je crois qu'on va, on va inviter Voix d'Homme dans le cadre de Spotlight pour parler de ce que tu fais. Ce serait intéressant. Ce serait vraiment intéressant. Bonsoir le prunier. Oh, la marque qui a pris le pouvoir à Belle. J'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi également. Merci d'être là. Bonsoir Marie. J'espère que tu te portes bien également. Merci d'être là. Bienvenue à toi. Donc, je vais me répéter. Quand vous arrivez, vraiment, les amis, installez-vous. Partagez. Invitez les personnes autour de vous qui ont des business en ligne ou les personnes qui pourraient être intéressées par la thématique. Aujourd'hui, on va parler du e-commerce automation, donc de l'automatisation du e-commerce. Comment booster son entreprise en ligne, comment booster son business en ligne grâce à l'automatisation. Et on va commencer dans quelques instants. J'ai envie de me connecter également sur Instagram parce que j'anime également sur Instagram. J'ai un compte Makit, donc je publie aussi. Je pense même que je publie plus sur Instagram avec Makit que sur Facebook. Et je dois également lancer le live sur. Je dois également lancer le live sur Instagram. Donc, permettez-moi de faire ça rapidement et puis on pourra commencer, s'il vous plaît. J'espère que vous vous portez bien. Alors. Est-ce que je fais là? Est-ce que je. Ok. Donc, là, je vous avoue quand même, je suis embrouillée dans tout ce que, partout où je suis connectée. Bon, sur le téléphone, je serai connectée sur Instagram. Ok. C'est aussi la toute première fois que je fais un live sur Instagram. J'espère qu'il va bien se passer. J'espère que je vais pouvoir. Ah, attendez, que je mette ça bien comme ça. Que je positionne ça bien. Ok. Oh. Alors, on me dit que je suis en live également sur Instagram. C'est super. Donc, vous allez me voir switcher tout le temps. Je vais regarder. Quand je regarde là, c'est Instagram. Quand je regarde là, c'est Facebook. Ok. Bienvenue à tout le monde. Merci d'être là. J'espère que vous vous portez bien. Je vais me présenter encore. Je suis Francine Akiémé et aujourd'hui, j'endosse ma casquette de Digital Marketing Manager. Donc, comme je l'expliquais, j'ai créé ma structure Makit. Makit est une agence de communication et de marketing digital l'année dernière. Et cette année, je me suis réorientée dans l'automatisation, dans le marketing automation. Donc, c'est vraiment dessus que je vais me spécialiser et pour le moment, parce qu'en ce moment, je suis en mode freelance, parce que je suis encore toute seule dans ma structure. J'ai pas encore une équipe. Donc, je suis encore en mode freelance et je me concentre donc juste sur le domaine de l'automatisation. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. J'ai déjà fait, il y a 2 semaines, j'ai fait un live sur. Pour expliquer un peu de manière générale, c'est quoi le marketing automation. Et aujourd'hui, on va parler du e-commerce, de l'automatisation du e-commerce. En fait, dernièrement, c'était quand vendredi, j'étais invitée sur le plateau de Femme Smart Online. Et justement, on a parlé de l'automatisation du e-commerce. Je me suis dit, ce serait peut-être aussi intéressant de faire également un live sur cette thématique-là sur Makit parce que je sais quand même que dans mon réseau dans mon réseau il y a beaucoup de personnes que je connais qui ont des business en ligne. C'est pour cela que je me suis dit OK, ce serait intéressant de refaire la thématique ici. Donc aujourd'hui, on va parler de n'hésitez pas hein, n'hésitez pas à poser des questions même si ça n'a pas trait à l'automatisation du e-commerce directement. Vous pouvez me poser vos questions tant que ce sont des questions liées au marketing digital ou à l'automatisation. N'hésitez vraiment pas. La boîte des commentaires est ouverte à tout le monde. Et ça, j'aurais vraiment, je, ça me fera, je serai, ce sera un plaisir de répondre à toutes vos questions. OK.
Donnez-moi une minute, je vous reviens dans quelques secondes. Bon, Instagram, il n'y a pas d'intro, il n'y a rien. Je vous demande également de me donner quelques minutes, je vous reviens dans quelques secondes. Sauf que je ne sais pas comment est-ce que ça se passe sur Instagram avec les commentaires. Mais ce n'est pas grave. Le plus important d'abord, c'est tout ce que je vais raconter et puis la technique qu'on va gérer après. Donc, à tout de suite, les amis. So, alors, marketing automation ou e-commerce automation, qu'est-ce que c'est? Y a quelques personnes qui, dans les commentaires, me suivent déjà, ont déjà pu me suivre sur les réseaux. Est-ce que vous avez peut-être une idée de ce que c'est? Je suis certaine qu'il y a des gens qui peuvent le savoir. Vous pouvez me dire ça dans les commentaires, ce serait bien. Ah oui, je peux déjà vous dire d'abord ce dont on va parler aujourd'hui. Comme j'ai dit, on va parler de l'automatisation du marketing. Donc, je vais vous expliquer c'est quoi l'automatisation du marketing, c'est quoi l'automatisation du e-commerce, les avantages, quelques avantages, et puis on va vraiment parler concrètement comment automatiser votre business en ligne. Donc, si vous avez une boutique en ligne, si vous avez, oui, si vous avez un business vraiment en ligne, vous pouvez, à travers des solutions d'automatisation, gagner énormément de temps, vraiment avoir beaucoup de temps pour pouvoir vous occuper d'autres choses. Et on va vous prendre avec un exemple concret. J'espère que vous allez jouer le jeu, que quelqu'un va me donner dans les commentaires ce qu'il fait pour qu'on puisse prendre à travers un exemple pratique comment implémenter, comment mettre en place l'automatisation pour un business en ligne. Donc voilà le programme de ce soir et voilà. Hello Instagram. Bonsoir, bonsoir à tout le monde, à toutes les personnes qui me regardent. OK, comment est-ce que ça se passe là? Donc, c'est mon premier live sur Instagram. Je vous prie de me écouter simplement. Je crois que je prendrai le temps la prochaine fois de faire des lives séparés. Moi, aujourd'hui, je voulais vraiment tester cette plateforme également et voilà. Donc, c'est quoi le e-commerce automation? E-commerce automation, c'est tout simplement l'automatisation de votre business en ligne. C'est le fait d'utiliser des outils ou des logiciels qui vont accomplir plusieurs petites tâches que vous avez dans l'entreprise de manière automatique sans que vous ayez à le faire. Donc, c'est vraiment mettre en place des solutions qui vont vous faire gagner en temps, qui vont vous faire gagner en productivité. Il y a des petites tâches dans chaque entreprise. Chacun, c'est souvent différent. C'est vrai qu'il y a des tâches qui peuvent se répéter, qui peuvent être similaires dans toutes les entreprises, mais en fonction de chaque entreprise, il y aura des tâches peut-être qui reviennent tout le temps et qui prennent beaucoup de temps. Par exemple, comme l'envoi d'emails. Quand vous avez des clients, vous avez par exemple une grosse liste d'emails. Il y a ça, il y a le fait d'envoyer des newsletters, par exemple, à vos clients, ça prend beaucoup de temps. Et de le faire manuellement, c'est tout simplement pas possible. Franchement, parce que sinon, vous allez passer tout votre temps dans l'entreprise juste à envoyer des mails. Alors qu'aujourd'hui, il y a des solutions intelligentes, il y a des solutions modernes qui permettent d'automatiser tous ces processus-là. Et ça facilite vraiment beaucoup de travail à l'entreprise. Aux entreprises. Donc, c'est ça le e-commerce, ce sera le fait d'utiliser donc ces logiciels pour pouvoir automatiser votre business en ligne. Alors, je vais en même temps également switcher de temps à autre pour lire vos commentaires et regarder ce que vous avez écrit en fait. Ou regarder vos questions, ce que je voulais dire. Alors, qu'est-ce qui peut être automatisé, par exemple, dans une boutique en ligne? Qu'est-ce qui peut être automatisé? Déjà, l'acquisition des prospects.
L'acquisition des prospects peut être, ça c'est une tâche dans l'entreprise qui peut être automatisée. Vous n'avez pas, et c'est même aussi, je veux dire, c'est pas là, si vous n'avez pas de clients, vous n'allez pas pouvoir faire de chiffre d'affaires. Donc, cette tâche-là, c'est une tâche très importante dans l'entreprise qui peut être automatisée. On va entrer dans les détails un peu plus tard, dans l'émission. Alors, on a Aristide qui nous dit e-automation. Je pense que e-automation, c'est pour dire e-commerce automation, c'est automatiser la communication avec ses clients et potentiels clients. Oui, Aristide, c'est vrai, c'est automatiser la communication. Et sauf qu'on ne peut pas automatiser toute la communication d'une entreprise, vraiment. La communication, le contact, il faut toujours un contact humain. Parce que c'est aussi ce que les gens, les clients aussi aiment voir qui est en contact humain. On ne peut pas automatiser toute la communication, mais on peut automatiser déjà certains processus de communication dans l'entreprise. Mais l'automatisation ne va pas s'arrêter là. L'automatisation ne peut pas s'arrêter seulement, ne va pas seulement s'arrêter au niveau de la communication avec les entreprises. Les personnes qui ont des boutiques en ligne, par exemple, peuvent aussi automatiser, par exemple, les livraisons. Je veux dire les commandes qu'ils vont passer. Par exemple, si quelqu'un a, je sais pas moi, vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous avez peut-être dans vos boutiques. Déjà, est-ce qu'il y a parmi vous les gens qui ont des boutiques en ligne? Ça, ce serait vraiment intéressant de savoir. Est-ce que vous pouvez me dire déjà s'il y a parmi vous quelques personnes qui ont des business en ligne? Peut-être sur Instagram également. J'ai l'impression que sur Instagram, je ne sais pas, je ne vois pas les commentaires. Je ne sais pas comment ça se passe là-bas. Peut-être je devrais arrêter. I don't know. Et bon, on va continuer. Au pire, je vais enlever le live sur la page après. Alors, Georges demande. Francine, à la fin, tâche de mettre le lien pour un éventuel replay en commentaire, s'il te plaît. Ok, d'accord. D'accord. Genre, je vais publier. Je vais mettre le lien dans les commentaires pour pour le replay. Mais je pense que ce sera le même lien, en fait. Ou je vais le publier sur ma page, sur la page Makit. Mais de toute façon, ah oui, le live va rester quelque temps sur Makit, mais après. Je vais le supprimer parce que je vais mettre le truc, le live sur YouTube. Pour le moment, la page YouTube est en cours de création et ça va, dès que c'est opérationnel, c'est sur YouTube que vous pourrez regarder les replays de Makit, quoi. Et les personnes qui me suivent sur Afro Entrepreneur Network, qui sont intéressées par la thématique du marketing digital, vraiment, je vous prie de me suivre sur Makit. Point marketing parce que sur Makit.marketing, je vais faire régulièrement des lives pour apprendre à en savoir plus sur l'automatisation du marketing. Donc vraiment, n'hésitez pas à me suivre là-bas. Si vous avez également des comptes Instagram, vous pouvez également me suivre sur Instagram. C'est toujours Makit.marketing. Attendez que je vous mette le. Pour que je vous mette le lien. Instagram. Je vous mets ça dans les commentaires. Je vous mets également. Alors, je vous ai publié le lien d'Instagram dans les commentaires. Je vous laisse également le lien de la page Facebook, Makit. Voilà, il est là. Ok, comme ça vous avez tous les liens et puis vous pourrez vous abonner sur les différentes pages. Et j'ai quelque chose à la fin de cette émission que je vais vous offrir. J'ai quelque chose, j'espère que je pense que ça va pouvoir intéresser ça. C'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant pour les personnes qui ont déjà des business en ligne. Mais anyway, à la fin de l'émission, vous allez avoir justement ce petit cadeau que j'ai préparé avec beaucoup d'amour. J'ai pris beaucoup de plaisir à le préparer vraiment.
Alors, on a dit quoi? Qu'est-ce qui peut être automatisé dans une entreprise? J'ai parlé de l'acquisition des prospects. Ça peut être automatisé. Il y a également l'analyse et la segmentation des listes. Quand vous avez des, quand les gens arrivent sur votre site ou alors sur votre page Facebook, par exemple, ils vont peut-être, bon, ils n'ont pas le même niveau d'intérêt en fait. Vous allez peut-être les avoir à travers un lead magnet, vous avez récupéré les adresses mail, mais ils n'ont pas le même niveau d'intérêt. Donc, il faut encore segmenter, il faut séparer ceux qui manifestent des prospects avec un fort taux d'intérêt et ceux qui ne manifestent pas trop d'intérêt, en fait. Vous n'allez pas communiquer de la même façon avec eux. Donc, il y a la segmentation aussi. Ça peut être automatisé et c'est même très, très bien. C'est même en fait pour moi le clou de l'automatisation, de pouvoir vraiment avoir des groupes de personnes en fonction de leurs intérêts. Parce que le but aussi avec l'automatisation, c'est d'avoir des communications personnalisées. Quand je publie par exemple sur Facebook, je publie pour tout le monde. Franchement, je publie, je ne sais pas quel est le profil qui va venir regarder. C'est vrai que j'ai une cible, mais les personnes qui vont regarder, je n'ai pas de contrôle vraiment dessus. Mais quand j'ai une liste d'emails, je sais comment communiquer, je sais à peu près, j'analyse le comportement de mes prospects et je sais comment communiquer avec les personnes, je sais ce qui intéresse telle ou telle autre personne. Et là, la communication est vraiment, vraiment, vraiment bien, beaucoup plus personnalisée. Pour quelqu'un qui a un business en ligne, par exemple, si vous avez des clients qui ont eu à acheter, on va prendre Kimari, tu es encore là? Je crois qu'on va prendre ton exemple. Je sais déjà ce que toi tu vends. On va prendre par exemple Marie qui a une boutique en ligne. Marie vend des thés à 1600. Marie vend également des gaines et des tenues sportives pour les personnes qui veulent perdre du ventre et tout. Donc, il y a déjà par exemple deux catégories de produits que Marie vend. Il y a des personnes qui viendront sur son site qui vont acheter le thé à 1600 par exemple. Il y a d'autres qui viendront pour acheter les gaines. On va dire ça. Oui, qui vont acheter les gaines. Ou alors comment est-ce que tu appelles ça, Marie? J'ai oublié le nom. Les trucs de sport là pour transpirer pendant que tu fais sport. Donc, tu peux me mettre ça dans les commentaires, ce serait bien. Et donc, quand vous avez justement ces deux catégories de personnes, ils ont des intérêts différents. Ils ont acheté les produits sur le même site, mais ils ont des intérêts différents. Qu'est-ce que Marie peut faire pour pouvoir communiquer de manière efficace avec ces deux groupes de clients? Elle va justement regarder, OK, celui-ci a marqué l'intérêt pour le thé, l'autre a marqué l'intérêt pour les gaines. Donc, quand je vais, si j'ai par exemple de nouveaux produits, je vais pas peut-être proposer les produits de gaines à l'autre qui, bien que tout ça c'est toujours à 1600, ça peut éventuellement aussi intéresser cette personne. Mais j'ai juste envie de vous faire comprendre que la paire, tu peux, on peut comme, on peut. Vraiment personnalisé. Si j'ai acheté une gaine et que Marie a, par exemple, sur son site, comment je vais dire, pas un appareil, mais un switch qui va me permettre de transpirer aussi de sport, par exemple, elle peut m'envoyer des mails. Et je vois que, ah, ça, c'est intéressant. J'ai envie d'acheter ça aussi. Ou alors quelqu'un qui a acheté le thé. Il y aura peut-être aussi d'autres produits complémentaires qu'elle pourra envoyer en promotion à la personne. Et la personne va voir que c'est déjà dans le cadre de ce qu'il a d'abord eu à acheter. Et ça va éveiller encore son intérêt. Bon, je ne sais pas si jusqu'ici je suis claire dans mes explications. Ce n'est pas trop, trop mon fort, mais. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, je vais apprendre à sortir ce que j'ai dans ma tête et à partager ça, en fait. Je suis plus à l'aise quand j'écris, quand il faut expliquer, écrire et tout. Mais je crois que cela aussi, ça va aller. Alors. Hey! Bonsoir, bonsoir, Charme Fort.
sur Instagram. Bonsoir, bienvenue à toi. Aujourd'hui, je suis en live pour la première fois sur Instagram. Mais là, également, je suis connectée sur Facebook. Donc, je suis en train de faire un live simultané sur Instagram et sur Facebook. En fait, je voulais tester le live Instagram pour voir comment ça fonctionne parce que dans les jours à venir, les semaines à venir, je vais aussi très souvent faire des lives sur Instagram pour parler de mon activité, pour parler de comment est-ce que j'aide les entrepreneurs avec leur entreprise, quoi. Donc, bienvenue à toi, merci d'être là. Si tu as des questions sur l'automatisation du marketing en général, n'hésite pas à les poser. Vraiment, je me ferai un plaisir de répondre à ces questions-là. Donc, welcome. Alors, on revient à Facebook. On revient à Facebook. Et oui, je disais donc que justement, on a l'analyse, la segmentation des listes aussi qui peut être automatisée. On a également les campagnes qui vont même être envoyées après, qui peuvent aussi être automatisées. En fait, il y a beaucoup, 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 plusieurs tâches qui pourront être automatisées par une entreprise, quoi. Alors, j'ai de nouveaux arrivants. Bonsoir, Marie. Je crois me souvenir du nom. Marie, tu étais dans le live de Charlotte vendredi, c'est ça? Si c'est ça, vraiment, je suis très ravie de t'avoir ici sur Makit. Donc, bienvenue à toi. Aujourd'hui, Marie, ah oui, Marie demande qu'il s'agit de quoi? Alors, aujourd'hui, je parle encore de l'automatisation de l'e-commerce. Donc, comment booster ton business en ligne grâce à l'automatisation? Donc, là, j'ai déjà parlé, j'ai déjà expliqué c'était quoi. Mais tu pourras regarder le replay le début du live en replay si tu as manqué. Si c'est maintenant que tu arrives, tu pourras regarder le replay plus tard. OK? Bien. Donc, je vais continuer. Laissez-moi organiser mes notes. Donc, je pense que je vais passer sur vraiment. Concrètement, comment est-ce qu'on peut automatiser un business en ligne? Et je vais prendre. Ah oui, Marie dit que c'est hier qu'elle m'a découvert. Oui, je pense que c'était sur le live de Charlotte. Ouais, sur Femme Smart Online. Bien, merci d'être là, Marie. Bienvenue à toi. Alors, donc, hey, Monsieur Dago, bonsoir, bienvenue. Monsieur Dago demande quelles sont les étapes pour une automatisation réussie. Tu lis dans mes pensées parce que c'est de ça maintenant que j'allais parler. L'automatisation, comment implémenter ça concrètement, quelles sont les étapes. Donc, je reviens à ta question tout à l'heure parce que c'est vraiment le prochain point de mon. C'est le prochain point dont je vais parler. Donc, Monsieur Dago, je reprends ta question dans quelques instants. Je vais répondre rapidement à Aristide qui demande à partir de quel chiffre d'affaires on peut implémenter l'automatisation dans un business. Personnellement, je dirais qu'il n'y a pas un chiffre d'affaires précis pour commencer à automatiser. C'est vrai que ça dépend Tu peux commencer à automatiser même quand tu as 10 clients. Je veux dire, tu n'as même pas beaucoup de. Parce que si tu as 10 clients et que tu as, par exemple, déjà, tu as 10 adresses email, tu peux automatiser ça. Tu n'as pas besoin de le faire manuellement. Tu n'as pas besoin de le faire manuellement. Et l'acquisition des prospects aussi. Ça, d'attirer d'autres prospects à acheter, à devenir tes clients, ça aussi, tu peux automatiser. Donc, ça veut dire que tu peux déjà vraiment, dès que tu te lances, commencer à mettre des solutions d'automatisation en place. Si tu n'as peut-être pas les moyens, parce que c'est aussi le problème de beaucoup de startups, n'ont pas les moyens financiers peut-être de déléguer. Si tu n'as pas les moyens de déléguer, tu commences à le faire par toi-même. Il y a beaucoup de solutions, il y a beaucoup de tutoriels qui montrent ce qu'on peut déjà implémenter sans beaucoup de ressources financières.
Il y a également moi, il y a également moi et des contenus que je partage sur Instagram, sur Facebook. Je partage beaucoup de contenus justement pour montrer comment est-ce qu'on peut automatiser. Je pense que si une personne qui se lance, qui n'a peut-être pas encore les moyens de prendre mes services, commence à implémenter ce que je partage avec vous, c'est déjà un début en fait. Et ça va déjà commencer aussi à fonctionner, ça va déjà commencer à produire des résultats. Parce que si tu mets quelque chose en place, au départ, tu mets un système en place, ça se fait de manière automatique après. Après, il faudra juste venir regarder, venir contrôler, est-ce que ça fonctionne, est-ce que il y a quelque chose à améliorer, est-ce que donc c'est il n'y a vraiment pas un chiffre d'affaires précis pour commencer l'automatisation. Tu peux commencer l'automatisation à tout stade de ton à tout niveau où tu te trouves. Donc, soit en le faisant toi-même, soit en déléguant. En donnant cette activité à quelqu'un qui va le faire pour toi, si tu ne maîtrises pas en fait comment ça se passe. Donc j'espère, Aristide, que j'ai répondu à ta question. Alors, oui, Monsieur Dago a raison, partagez le live, merci, vraiment merci. Partagez, partagez, partagez. Je ne sais pas si sur Instagram on partage les lives. Je suis encore en train de m'essayer aussi à Instagram. Donc, je ne sais pas si on partage le live aussi, mais si c'est le cas, donc je vous prierai également de partager sur Instagram, sur Facebook, partagez s'il vous plaît. Invitez vos amis qui autour de vous ont des business en ligne, que vous connaissez qui ont des business en ligne. Donc, voilà. Alors, Monsieur Dago demandait quelles sont les étapes d'une automatisation réussie. Ok, il y a plusieurs points. Ah, attendez, il y a quelque chose que je voulais vous présenter, que je dois absolument vous présenter. Où est-ce que j'ai ça? Excusez-moi, non, je ne veux pas partager mon écran. Je veux juste afficher. Non, attendez, s'il vous plaît, je récupère rapidement. Je veux vraiment vous expliquer avec cette image-là. Je pense que ça sera à travers, avec l'image, vous allez peut-être mieux comprendre. Parce que peut-être je ne transmets pas ce que j'ai en tête. Je ne transmets pas très bien de sorte à comprendre. Mais avec l'image, pour me soutenir, ça sera, vous allez pouvoir. Vous allez pouvoir mieux comprendre ça, j'en suis certaine. Alors. Attendez. Où est-ce que j'ai mis ça? Oui, c'est ça. Mais sauf que là, ça va me couvrir complètement. Alors, je voulais vous présenter cette image-ci. Bah, ça m'embête un peu parce que ça me couvre. Je ne voulais pas que ça me couvre. Je voulais plutôt que ce soit, que ça prenne une partie de l'écran pour que je puisse. Non, je ne sais pas comment je vais faire ça. Non, je veux pas. Je ne veux pas partager l'écran en fait. Attendez. Je peux partager uniquement si c'est en PDF. Ok, d'accord. Bon, d'accord, on va faire ça comme ça. On va faire avec l'image comme ça. Donc, vous allez juste voir dans l'image et vous ne me verrez plus. Sur Instagram, vous n'allez pas pouvoir voir l'image. Mais au courant de la semaine, je vais faire un post vraiment spécialement pour expliquer cette image que je suis en train de présenter actuellement. Donc vraiment, I'm sorry, comme j'ai dit, c'est mon premier live sur Instagram. Je vais, dans les semaines à venir, dans les jours à venir, mieux organiser pour que ça se passe également très bien de ce côté. Voilà. Donc, voilà, je vais prendre l'exemple d'un parcours client. Via les réseaux sociaux. Parce que tu peux rencontrer, je veux dire, un client peut être en contact pour la première fois avec ton entreprise
à travers les réseaux sociaux ou à travers le site web, votre site web ou à travers une pub, oui, une pub sur Internet, c'est le digital en fait. Donc sur Internet, votre prospect va être en contact avec votre client. Excusez-moi. Donc, le premier point de contact sur les réseaux sociaux, par exemple, sera votre page. Vous publiez, vous faites des publications régulièrement sur les réseaux sociaux. Et puis, un client, il n'est pas encore client à ce niveau, la personne n'est pas encore client à ce niveau. La personne est attirée par ce que vous avez publié. Donc, vous avez attiré l'attention de la personne. À ce moment, la personne, il est encore juste observateur. Il n'a encore rien fait d'autre. Il a vu votre contenu pour la première fois. Un peu comme Marie. Il y a Marie qui disait qu'elle m'a vu, qu'elle m'a découvert hier. Donc, ça, c'était notre premier point de contact, Marie et moi, sur la page de Charlotte Femme Smart Online. Donc, à ce moment, la personne est juste a vu quelque chose qui l'intéresse vous regarde, vous suit. Maintenant, le premier engagement que la personne va faire, ce sera de liker. Ce sera de liker, par exemple, vos posts ou de s'abonner même à votre page. Je ne sais pas si jusque-là, vous me suivez. Donc, le premier point, ça sera de construire dans ce tunnel. Parce que le premier point, ça sera de construire justement ce tunnel. Je vais d'abord enlever ça. Le premier point, ça sera de construire comment ça va se passer? Quels sont les points de contact que vous avez que vous pourrez avoir potentiellement avec votre prospect. Donc, la personne a déjà comment est-ce que j'appelais ça? L'observateur. Il a observé, il a vu que ce qu'il voit, ce qu'il a lu ou ce que vous partagez est pertinent, ça l'intéresse. Il a peut-être un besoin que vos publications vont venir résoudre. Il va s'abonner à votre page. À ce niveau-là, on est encore safe, il n'y a pas vraiment. Rien ne se passe, pas grand-chose ne se passe en tout cas. Donc, il va devenir non, un follower. Quand il devient un follower, non, là maintenant, il se trouve à cette étape-ci, il devient follower. Et maintenant, quand il devient follower, c'est à vous de commencer d'entretenir cet intérêt. Parce qu'en s'abonnant à votre page, il a manifesté un intérêt. Donc, c'est à vous de continuer à nourrir cet intérêt, à garder cet intérêt en éveil pour qu'il ne se désintéresse pas de ce que vous êtes de votre, il ne se désabonne pas de votre page, par exemple. Maintenant, quand vous continuez à le nourrir avec un contenu de qualité, un contenu qui lui apporte de la valeur, vous allez maintenant, après ça, la deuxième étape sera d'aller un peu plus loin. Parce que jusqu'à présent, vous lui avez offert des choses gratuitement, mais sans vraiment rien attendre en retour. Mais maintenant, vous allez aller un peu plus loin, vous allez demander quelque chose en retour. Donc, vous continuez à lui offrir du contenu, vraiment un contenu pertinent, un contenu de qualité. Vous lui demandez maintenant en retour son adresse email. Donc, et c'est à travers un lead magnet. Donc, vous allez proposer quelque chose à télécharger, par exemple, gratuitement. Ça peut être une vidéo qui va venir apporter une solution à ce que votre prospect rencontre comme problème. Ça peut être un PDF à télécharger. Ça peut être, et en parlant de PDF à télécharger, j'ai quelque chose, comme je vous ai dit, à la fin de cette émission, j'ai un cadeau que je vais vous offrir. Je vais également publier le cadeau sur Instagram. Donc, pour ça, ne vous inquiétez pas. Ça va être publié sur toutes les plateformes. Sur tous mes réseaux en tout cas. Donc, la personne a téléchargé, quand vous proposez votre cadeau à votre follower, parce que là, il n'est pas encore prospect, il est encore follower. Quand vous proposez donc votre cadeau, si ça l'intéresse, il va vous donner son adresse email pour télécharger le cadeau. Et une fois que vous avez l'adresse email,
vous avez entre vos mains de l'or parce que c'est à travers son adresse email que vous allez pouvoir convertir ce prospect en client. Si le prospect est vraiment intéressé par ce que vous faites, ou plutôt, je vais dire ça autrement, ou si ce que vous proposez comme solution résout un problème du prospect, il va vous donner son adresse email, il va télécharger le cadeau que vous lui offrez, et à partir de là, vous pourrez continuer à le nourrir et à l'amener tout doucement dans le processus de... Donc là, on est quitté de follower, il est devenu prospect. Et une fois qu'il est prospect, vous allez continuer justement à le nourrir pour le transformer en client. Et qui dit client, dit argent. Donc, je ne sais pas si l'image, vous pouvez me dire dans les commentaires si l'image est compréhensible pour vous et si l'explication associée est pertinente également pour vous. Donc, faites-moi savoir, faites-moi savoir, faites-moi savoir. Alors, à ce niveau-ci, on a eu un observateur qui a été amené à travers notre tunnel, funnel ou parcours client ou customer journey pour les personnes qui sont un peu plus avancées dans le marketing. On a transformé ce prospect-là, ce follower-là en client. Vous allez me demander peut-être maintenant que, mais à quel niveau est-ce que, à quel niveau est-ce que l'automatisation intervient? Parce que jusqu'à présent, on n'a pas parlé d'automatisation. Moi, je vous pose la question. Est-ce que vous pouvez me dire dans les commentaires, est-ce que vous avez pu identifier à quel niveau est-ce qu'on peut automatiser ce parcours client-là? Donc, on va juste rester sur l'exemple du parcours client. Est-ce que vous pouvez me dire dans les commentaires, je pense que toutes les personnes qui me suivent déjà sur mes réseaux, vous allez certainement trouver ça facilement. Mais ça m'intéresserait quand même de savoir ce que vous pensez. Vous pensez, selon ce que j'ai expliqué, à quel niveau est-ce qu'on peut introduire l'automatisation? Dites-moi dans les commentaires, s'il vous plaît. J'aimerais savoir. Mais après également, je vais vous dire, hein, je vais continuer à vous dire. Mais écrivez-moi dans les commentaires, s'il vous plaît, à quel moment est-ce que vous pensez qu'on peut introduire l'automatisation? Let me know. J'ai pas de questions du côté d'Instagram ou alors je ne vois pas comment est-ce que ça se passe. Bon. Ne vous sentez pas lésé du côté d'Instagram. Comme j'ai dit, aujourd'hui, on parle de l'automatisation du marketing automation, spécialement du e-commerce automation, donc de l'automatisation de votre business en ligne. Comment ça se passe? Et là, j'ai expliqué, vous avez suivi, du moins Charme Fort a suivi, parce que ce n'est que toi que je vois, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes connectées. Vous avez suivi, j'ai expliqué à travers l'exemple. À travers l'image que j'ai présentée, que tu n'as malheureusement pas vue, que vous n'avez malheureusement pas vue, c'était l'image qui représente le parcours d'un client. Et comme j'ai dit, je vais poster au courant de la semaine, je vais poster la même image avec les explications sur Instagram. Donc, vous n'aurez rien manqué. Je vais lire vos commentaires. Marie dit, c'est très bien expliqué, Francine. Ok, je suis ravie que tu aies compris, que tu aies compris l'explication que j'ai donnée. Merci. Donc, dites-moi, est-ce que vous pensez à qui vous pensez, vous ne parvenez pas à détecter à quel niveau est-ce qu'on peut introduire l'automatisation dans ce parcours client que j'ai expliqué. Marie dit qu'elle comprend mieux ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ah, je suis ravie, je suis ravie. Je ne sais pas, Marie, si tu es déjà abonnée à ma page makit.marketing sur Facebook et sur Instagram également, c'est le même nom. Donc, makit.marketing, je partage vraiment sur Instagram, je publie tous les jours. Sur Instagram, je publie vraiment tous les jours sur la thématique du marketing digital, de l'automatisation en particulier. Parce que comme je vous ai dit en début d'émission, c'est vraiment dans ce domaine que je vais, pour le moment, me focaliser parce que je suis encore en mode auto-entrepreneur et je n'ai pas encore les ressources pour pouvoir
déployer tous les services de l'agence de marketing que j'ai, de l'agence de marketing digital que j'ai créée. Donc, pour le moment, je me focalise juste sur l'automatisation et plus tard, les autres services vont être ajoutés. Donc, n'hésitez pas pour les personnes qui me suivent pour la première fois, vraiment, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram ou sur Facebook également avec market.marketing. Donc, vous tapez market.marketing, vous allez arriver sur ma page. OK, vous n'avez pas, je comprends que vous n'avez pas pu identifier à quel niveau est-ce qu'on peut introduire l'automatisation. Alors, je vais vous remettre l'image à l'écran. Donc, voilà l'image. Je vous ai dit, à ce niveau d'observateur, la personne est juste curieuse de ce que vous publiez. La personne a vu quelque chose qui l'a intéressée et a juste commencé à regarder par curiosité. Ça, c'est, à ce niveau, c'est vraiment encore juste par curiosité. Mais à ce niveau-là, vous pouvez déjà introduire l'automatisation. Parce que vous publiez régulièrement, vous avez un contenu que vous partagez sur les réseaux sociaux, vous pouvez déjà automatiser cette partie de... Excusez-moi. Vous pouvez déjà automatiser cette partie de publication du contenu. Donc, vous avez créé votre contenu et vous le partagez sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas besoin d'être... Quand je dis, par exemple, que je publie sur Instagram tous les jours, ça ne veut pas dire que je suis derrière mon écran tous les jours à publier. Non, je crée mon contenu en amont, je le programme et ça se publie automatiquement sur mes réseaux. Donc, à ce niveau-là, vous pouvez vraiment déjà introduire l'automatisation et ça vous enlève beaucoup de stress, ça vous soulage, ça vous fait vraiment gagner énormément de temps. J'ai une cliente qui me disait dernièrement que Francine, ça fait pas longtemps qu'on travaille ensemble, mais ça fait juste quelques jours, c'était à peine une semaine, mais je suis relaxe. J'ai moins de maux de tête parce que vraiment, c'est ça le but premier de l'automatisation, vous faire gagner du temps. Et si vous-même, vous ne pouvez pas le faire, vous déléguez simplement. Ça va apporter, c'est pour ça que j'ai dit, booster votre entreprise. Ça va vraiment booster votre entreprise. Ne serait-ce que ce temps que vous avez gagné, vous allez pouvoir l'investir, par exemple, à créer une meilleure offre pour vos clients. Vous allez pouvoir peut-être mieux être à l'écoute des clients. Ça veut dire que le contact avec les clients sera peut-être plus personnalisé. Vous allez pouvoir mieux comprendre les besoins de vos clients et vous allez pouvoir apporter une solution adaptée à leurs problèmes. Donc, voilà. Donc, au niveau de la publication des contenus, on peut déjà introduire l'automatisation. Et il y a un outil totalement gratuit, c'est... Creator Studio de Facebook. Avec ça, sur Facebook, vous pouvez déjà publier, programmer vos contenus sur Instagram et ça va se publier automatiquement sur Instagram et sur Facebook. Et bien sûr, il y a d'autres solutions qui permettent de publier sur les autres réseaux sociaux, par exemple comme TikTok, YouTube ou LinkedIn, sur tous les autres, Twitter et autres. Il y a tous ces outils-là. Moi, aujourd'hui, on ne va vraiment pas parler des outils. Je ne vais pas m'attarder sur les outils. Et j'ai d'ailleurs fait un post sur Instagram vraiment très intéressant qui présente 5 outils d'automatisation. 5 outils d'automatisation sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai vraiment pris le temps de vous dire ce que cet outil vous permet de faire, combien ça coûte et s'il y a une solution gratuite. Parce que généralement, il y a toujours... une solution gratuite et une solution payante. J'ai également listé les réseaux sociaux qui sont soutenus par cet outil-là. Donc, je vous ai listé comme ça 5 outils. N'hésitez pas à aller regarder ce post-là sur Instagram. Ça va, je suis sûre que ça va certainement vous apporter un plus, quoi. OK. Donc, voilà le premier point. D'automatisation, ça sera dans la publication de votre contenu sur les réseaux sociaux. Maintenant, on a un deuxième, dans ce parcours client que je vous ai montré. Justement, dans ce parcours client-là, on a un deuxième
un deuxième. On pourra introduire l'automatisation à un deuxième niveau. Si vous vous souvenez, je vous ai dit que. Attendez que j'enlève ça. Si vous vous souvenez, je vous ai dit que je vous ai expliqué que vous avez partagé le contenu, vous partagez tout le temps vos publications, vous apportez de la valeur à votre cible, mais vous n'avez pas encore demandé quelque chose en retour. Maintenant, au moment où vous demandez quelque chose en retour, vous allez créer un lead magnet. Le lead magnet, c'est un aimant à prospect. Donc, c'est quelque chose que vous allez offrir gratuitement à votre cible. Mais un contenu qui apporte vraiment de la valeur à votre cible. Donc, vous allez leur offrir ce cadeau, un cadeau, et en retour, la personne vous donne son adresse email. Donc, pour ce lead magnet, à ce niveau-là, vous allez générer des prospects. Donc, vous allez pouvoir mettre en place un système d'automatisation qui va vous permettre de générer des prospects. Donc, pour ça, vous aurez besoin, par exemple, j'ai parlé d'aimant à prospects. Vous aurez besoin également d'une landing page. Donc, si par exemple, je vous mets un lien sur ma page, comme tout à l'heure, quand je vais vous offrir le cadeau que j'ai prévu pour vous, je le publie, je vais envoyer le lien. Et c'est ça mon lead magnet. Vous allez cliquer sur le lien, vous allez arriver sur mon site où je vous demande d'introduire avec un formulaire. Donc, votre landing page doit avoir un formulaire de contact, parce que c'est avec votre formulaire de contact que vous allez pouvoir récupérer, que vos prospects vont introduire leur adresse email et vous allez pouvoir en backstage récupérer ces adresses. Donc, votre lead magnet, votre landing page, votre formulaire de contact, ça aussi, c'est déjà une étape que vous devez automatiser. Donc, c'est pas chaque fois, c'est quelque chose que vous avez déjà en amont travaillé, vous avez déjà mis en place. Et ça va se faire de manière automatique. Si je publie, par exemple, le lien dont je parle aujourd'hui, je n'aurai pas besoin de revenir. Je veux dire, toutes les personnes qui viendront sur ma page et qui vont voir ce post-là, qui sont intéressées, ils vont cliquer. Ça se fait de manière automatique. Donc, ils vont s'enregistrer, ils vont recevoir leur cadeau et moi, en retour, je vais récupérer l'adresse et après, je vais pouvoir travailler et continuer d'autres étapes de conversion en fait. Donc ça c'est la deuxième étape que vous pourrez sur ce parcours client que je vous ai présenté, c'est une deuxième étape que vous pouvez automatiser. OK. Permettez-moi de boire un peu. Et parallèlement, je vais regarder si vous avez des questions. OK. OK. Alors, est-ce que jusque-là, vous me suivez? Est-ce que c'est clair ce que j'explique? Vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à poser des questions au niveau où vous n'avez pas compris. C'est très important de comprendre ce parcours client-là parce que c'est ça en fait qui vous permet de générer, d'avoir des clients. Il faut maîtriser le parcours de chaque personne qui entre en contact avec votre entreprise pour pouvoir optimiser vos chances de le convertir en client. Donc, s'il y a quelque chose que j'ai dit et qui n'est pas clair pour vous, franchement, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Alors, Marie qui dit, ah, j'ai deux Marie maintenant, j'ai Marie Tiger et j'ai Marie Frutizo. Alors, Marie Tiger dit juste après le premier contact, j'ai pas compris Marie, c'est vrai que c'est maintenant que je lis, je suppose que tu as fait le commentaire à un moment de mon explication, mais là, je ne me retrouve pas. Donc, s'il te plaît, complète ce que tu voulais dire. Je ne sais pas si c'est une question ou c'est juste une remarque que tu es en train de faire. Alors, Marie Fautiseau demande, non, ce n'est pas une question, c'est plutôt une remarque, je crois. Landing page avait un formulaire de contact. Oui, absolument.
Parce que quand tu offres ton cadeau, tu attends de tes prospects qu'ils s'enregistrent, qu'ils te laissent au moins leur prénom et leur adresse email. Vraiment le minimum. C'est ça le minimum. Ou du moins, le minimum, c'est l'adresse email. Parce qu'il y a aussi des formulaires de contact où tu demandes juste l'adresse email. Donc, il faut absolument un formulaire de contact pour que les gens puissent s'enregistrer, en fait. Et toi, maintenant, derrière, avec d'autres outils d'automatisation, tu vas pouvoir récolter ces adresses email et pouvoir donc créer des campagnes d'email que tu vas envoyer à tes prospects pour les nourrir. Et justement, c'est là où on a le troisième point d'automatisation qui se trouve sur notre parcours là. Donc, dans notre parcours, sur notre parcours, on a publié à ce niveau, au niveau des observateurs, on a publié, followers, c'est toujours les publications sur les réseaux sociaux. Quand on transforme un follower en prospect, c'est au niveau de la landing page, du lead magnet, du formulaire de contact. Ça aussi, c'est un autre point d'automatisation. Et maintenant, il faut transformer ce prospect en client. Parce que votre prospect a manifesté plus d'intérêt. Il a manifesté un premier intérêt quand il s'est abonné à votre page, par exemple. Il a manifesté un deuxième intérêt quand il vous a donné son adresse mail. Parce que s'il n'est vraiment pas intéressé du tout par ce que vous proposez, croyez-moi, il ne va pas vous offrir son adresse mail. Il ne va pas du tout vous donner son adresse mail. Donc, s'il vous donne déjà son adresse mail, ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous présentez, que vous lui avez présenté, qui l'a intéressé. Ça veut dire que vous pouvez continuer à nourrir cet intérêt-là. Vous ne pouvez pas encore exactement savoir quel est le besoin du client si vous ne parlez pas vraiment avec lui. Donc, à travers les contenus, à travers les mails que vous allez envoyer, ce sont pas juste des mails que vous envoyez pour dire, hey, comment ça va? Non, non, non. Ce sont vraiment des mails ciblés. Quand vous avez une liste, c'est votre mine d'or. Vous allez envoyer des mails ciblés à vos clients pour les informer, par exemple, sur ce que vous apportez comme solution, ce que vous pouvez leur apporter comme solution. Parce que quand vous créez votre structure, quand vous créez même votre boutique en ligne, vous avez un thème précis. Marie, par exemple, c'est les produits amincissants. Elle a parlé de produits sportifs amincissants. Elle a des thés amincissants qu'elle propose. Donc, elle a une thématique. Ça veut dire que des personnes qui viennent sur son site ont des besoins, ont par exemple envie de perdre du poids. Donc, il va falloir donc continuer à nourrir à travers une campagne d'email. La campagne va aussi être automatisée. Au début, quand tu as 2, 3, 4, 5, peut-être 10 emails, ça va encore, tu peux le faire manuellement. Mais quand tu commences à avoir 20, 30, 50 et au-delà 500 et autres, tu ne pourras même plus, tu ne pourras même pas envoyer toutes tes emails, même s'il te fallait, même si on te donnait 48 heures en une journée. À un moment, tu allais être débordé. Et puis, tu ne pourrais même plus rien faire d'autre dans ton entreprise. C'est pour cela, donc, justement, qu'il y a ces solutions modernes aujourd'hui qui te permettent d'automatiser, de créer des campagnes d'email. Et ces campagnes d'email vont être envoyées de manière automatique. Donc, une fois que quelqu'un a téléchargé, par exemple, le cadeau que tu as offert, la personne va déclencher, donc, cette campagne-là. Et va recevoir à des intervalles que toi tu auras définis avant, à des intervalles précis. La personne va recevoir du contenu. Et le contenu, là, c'est justement pour continuer à le nourrir, pour lui dire, hey, j'ai ça, j'ai cette solution qui est exactement ce dont tu as besoin. Et quand la personne va se sentir, je veux dire, à travers ce que tu vas partager donc avec la personne, il va se sentir un moment en confiance. Il va se dire, OK, je pense vraiment que cette personne peut m'apporter pour résoudre mon problème. Donc, je pense que cette personne a la solution à mon problème et il va devenir votre client. Et c'est comme ça que tu as transformé quelqu'un qui était juste au départ un observateur. Tu l'as transformé tout doucement en client. Chez certaines personnes, ça peut se passer très vite parce que quelqu'un peut avoir un besoin urgent et la personne est attirée par ce que tu as proposé, par ce que tu as publié, et directement la personne
flash, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, et la personne devient directement ton client. Ça se fait. Mais généralement, certaines personnes, d'autres personnes ont besoin d'un peu de temps. Et le temps, c'est différent en fonction des clients. C'est vraiment différent en fonction des clients. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions? Alors, Marie demande, Marie Tiger demande si l'automatisation se fait juste après le premier contact. Non, justement, tu as suivi ce que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est pas seulement après le premier contact. C'est vrai que c'est par là que ça commence. Il faut un premier contact. Quand le prospect est attiré, quand le client, bon, je dis client, mais à ce moment, il n'est pas encore client. C'est vrai qu'on appelle ce parcours que je vous ai présenté, on appelle ça le parcours client. Mais au début, il n'est pas encore client. Au début, il n'est même pas prospect. Il est juste quelqu'un, un curieux, un observateur qui a vu quelque chose qui l'a intéressé, quelque chose que tu as publié qui l'a intéressé. Donc, une fois que le contact est fait, il y a plusieurs étapes où tu peux introduire l'automatisation, en fait, Marie. Donc, voilà. Alors, Marie demande si je donne aussi les idées business. C'est pas mon domaine. C'est pas mon domaine. C'est vrai que parce que j'ai autour de moi, j'ai quand même une communauté d'entrepreneurs. Il y a des personnes qui pourront mieux t'aider. Si ça t'intéresse, je peux par exemple te mettre en contact avec Pierre. Ouais, je pense que Pierre pourrait peut-être t'aider. Pierre Ingama. Ouais. Marie, écris-moi s'il te plaît, écris-moi un message privé sur ma kit et puis je vais te mettre en contact avec Pierre, il pourra mieux t'aider. Moi, donner les idées business, je peux en avoir, mais il faudrait que je prenne le temps de savoir exactement ce que tu as comme aptitude et puis voilà. Alors que Pierre, lui, vraiment, je pense que c'est ce qu'il fait, il le fait aussi parallèlement. Il accompagne les entrepreneurs, donc je pense qu'il peut aussi t'aider à trouver une idée business. Alors, donc voilà justement dans les 3 points. Monsieur Dago, je ne sais pas si Monsieur Dago, tu es encore là. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Les 3 points selon, à travers l'exemple que j'ai pris, parce qu'il y a d'autres points de contact qui peuvent être. Qui sont différents de ce que j'ai présenté, mais le parcours client aura toujours quand même des. Je veux dire, ces étapes-là, tu vas être follower, tu vas être transformé en prospect, ensuite tu vas être transformé en client. C'est classique, quoi. Alors, donc pour votre business en ligne, Marie demande que le message privé se fait comment? Tu vas sur ma page. Là, je crois qu'actuellement, tu es sur makit.marketing, sur Facebook. Tu es sur makit.marketing. Tu vas cliquer sur le bouton envoyer un message. Je crois que c'est envoyer un message ou Messenger. Donc, c'est en fait ça que j'appelle le message privé. Et là, je vais pouvoir te répondre après l'émission. Parce que là maintenant, je ne peux pas arrêter l'émission et te mettre en contact avec Pierre. Donc, c'est pour ça que tu me laisses un message sur market.marketing. Ou alors, si tu veux, j'ai également mon adresse mail. Tu peux m'envoyer un mail aussi, mais je pense que ça sera plus instantané, ça sera plus rapide sur Facebook, sur Messenger. Tu m'envoies un message et puis après, je vais te répondre, je vais te mettre en contact avec Pierre. OK. Alors, il y a également un autre point dont je voulais absolument parler. Tout à l'heure, je vous ai dit que vous pouvez déléguer. C'est vrai que en fonction de votre niveau de en fonction du niveau où votre entreprise se trouve, vous pourrez ou pas déléguer, vous pouvez ou pas, mais c'est important vraiment de se créer des équipes. Si tu as, c'est vrai que je t'ai dit tout à l'heure que je n'ai pas d'équipe, mais j'ai peut-être pas les équipes complètes intégrées au niveau de ma kit, mais je voulais dire par là en fait que il faut
il faut savoir déléguer. Il faut savoir qu'à un moment, si tu te rends compte que ça te prend, peut-être ça te prend plus de temps, tu n'es pas expert dans ce domaine, ça te prend plus de temps pour faire la tâche que tu veux faire, tu délègues simplement. Et je voulais absolument vous parler aussi de comment est-ce que vous pouvez travailler avec moi, mais, du moins comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, comment est-ce que je peux intégrer votre équipe, quoi. Si vous le voulez bien, ce serait un plaisir pour moi de rejoindre votre équipe. Alors, ça ne pas bouger du côté d'Instagram. Mais live est toujours. Bon, je ne sais même pas s'il y a. Je crois que je suis toujours en live hein, sur Instagram. Ok, je verrai ça à la fin du live. Je sais que je suis toujours en live. Parce que je ne vois rien. Il ne se passe rien là de ce côté en fait. Il y a juste, tu vois, une personne qui a fait coucou, mais après. Anyway. Alors, comment est-ce que vous pouvez travailler avec moi? Il y a deux manières, deux façons de travailler avec moi. En soi, si vous avez déjà un business et que. Excusez-moi. Donc, si vous avez déjà un business en ligne, vous avez une boutique en ligne, vous avez une boutique e-commerce, par exemple, vous vendez sur Amazon ou vous faites du dropshipping, par exemple, et vous avez besoin, vous pensez que vous pouvez déjà automatiser votre business. Ah oui, une parenthèse. Vendredi sur le live de Charlotte, quelqu'un m'a demandé si une maman du quartier qui est couturière, par exemple, pouvait également automatiser son business. Mais j'ai répondu là-bas que je vais répondre encore ici. La condition pour automatiser, pour automatiser votre business, il faut que votre business soit digitalisé. Si vous n'êtes pas présent, si vous n'avez aucune présence en ligne, si vous n'êtes pas présent sur les réseaux sociaux, par exemple, vous n'avez aucun site web et tout, et que vous fonctionnez à l'ancienne, comme beaucoup de nos mamans font au Cameroun, vous n'allez pas pouvoir automatiser quoi que ce soit dans votre entreprise. Il faut d'abord digitaliser votre entreprise pour pouvoir automatiser. Et même quand vous êtes digitalisé, il faut encore voir si, parce que ça, ce n'est pas non plus, c'est quand vous commencez à être débordé, par exemple, que vous allez vous rendre compte que vous avez besoin, par exemple, d'automatiser. Tant que vous parvenez à faire vos tâches de manière manuelle, vous pouvez rester sans automatiser, hein, c'est à vous de voir. Mais à partir du moment où vous vous rendez compte que les tâches sont répétitives, parce que ce sont les mêmes tâches toujours qui reviennent, comme envoyer des mails par exemple, c'est les mêmes tâches qui reviennent tout le temps. Ah, là, vous pouvez vous dire, OK, je veux automatiser mon business. Et c'est là où moi, j'entre en action. Donc, si vous pouvez, on peut travailler ensemble de cette manière. Je m'occupe complètement de mettre des systèmes automatisés pour vous et de gérer également et de faire également le suivi. Parce qu'une fois que le. Une fois que le. Sur mon schéma là, une fois que le client est client et qu'il a payé un service ou un produit, ça ne va pas s'arrêter là en fait. Ça ne va pas s'arrêter là. Vous pouvez, ce client-là, une fois qu'il a acheté, vous pouvez le fidéliser. Et c'est plus difficile. C'est plus difficile de convaincre quelqu'un qui n'a jamais acheté votre produit. C'est plus difficile de convaincre une personne qui n'a jamais acheté votre produit que de convaincre quelqu'un qui a déjà été votre client. Donc, quand vous avez déjà un client, vous devez le chouchouter, vous devez bien le garder, le fidéliser de sorte qu'il soit un client régulier et qu'il continue d'acheter vos produits. Et là encore, ça continue. Il y a encore d'autres systèmes qu'il faudra mettre en place. Donc, moi, je pourrais, donc, pour vous, m'occuper complètement de cette partie-là, vraiment automatiser les tâches qui sont dans, qui, selon, qui, dans votre. Donc, on va prendre le temps d'analyser, de regarder quelles sont les tâches qui peuvent être automatisées dans votre entreprise. Et une fois qu'on a défini ces tâches-là, moi, je vais mettre en place pour vous des systèmes automatisés. J'ai parlé par exemple tout à l'heure de créer des landing pages, de créer des lead magnets. Donc ça, si vous déléguez cette partie complètement, vous dites que non, moi, je n'ai pas envie de m'occuper de ça. Je vous rends juste compte, je vous présente le travail, vous validez, on le met, on implémente.
Donc, moi, je m'occupe vraiment complètement de cette partie-là. Je vais m'occuper de la création des mails que vous allez faire, de la création des campagnes d'emails que vous allez faire pour générer, pour nourrir vos prospects. Je vais m'occuper, j'ai déjà parlé de la landing page, du lead magnet et autres. Je vais faire tout ça. Ça, c'est une première façon de pouvoir travailler avec moi. Donc, ça, c'est une première façon de pouvoir travailler avec moi. Maintenant, si vous dites que non, je veux pour une tâche précise, par exemple, ça peut être le lancement d'un nouveau produit sur votre site. Vous dites que non, oui, je veux faire la promotion, je veux créer des campagnes pour lancer ce produit-là. Ça veut dire que c'est une tâche précise à un moment donné. Je peux également le faire. On met en place des campagnes, ces campagnes-là. Et après, vous allez faire le suivi. Parce qu'une fois qu'une campagne est mise en place, une fois qu'un système automatisé est mis en place, quand il fonctionne, vous pouvez le reproduire et le reproduire et le reproduire et continuer à l'utiliser jusqu'à ce que vous ayez envie de faire autre chose. Donc, je vais mettre ça dans, créer donc, cette campagne pour vous, par exemple, cette campagne de lancement de produits, par exemple, en place. Et après, vous allez faire le suivi. Donc, je vais vous expliquer, OK, voilà ce qu'on a mis en place, voilà ce qu'il faut observer, voilà ce qu'il faut pour faire l'analyse des données que vous allez recevoir, pour faire la segmentation, par exemple, parce que ça aussi, la segmentation, vraiment, on fera un autre live pour parler uniquement de la segmentation, parce que c'est un point très important, hyper important dans l'automatisation. Donc, je mets tout ça en place pour vous et après vous-même, vous allez continuer à faire le suivi. Ça aussi, c'est une autre manière de travailler avec moi. J'ai dit deux, c'est vrai que j'ai dit deux manières, mais il y a une troisième manière également de travailler avec moi. Et là, c'est totalement gratuit. Vraiment, c'est totalement gratuit. Vous vous abonnez simplement à mes différents réseaux. Et vous continuez à me suivre parce que je publie régulièrement du contenu qui va pouvoir vous apporter, vous permettre déjà de commencer, de vous lancer dans l'automatisation. Donc, si vous me suivez sur mes réseaux sociaux, vous allez, avec les conseils que je donne, avec ce que je partage avec vous, vous allez pouvoir commencer vous-même déjà à mettre en place vos structures automatisées. Et peut-être au moment où vous allez penser que vous ne pouvez plus le faire vous-même, je serais ravie de le faire pour vous. Donc, voilà les trois manières de travailler avec moi. Attendez que je réponde à Marie. Ah, on a Armelle. Bonsoir, Madame Tala. J'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi. Merci d'être là. Marie dit sur Messenger. Est-ce que tu as trouvé... Est-ce que tu as trouvé, Marie, est-ce que tu as trouvé le... Est-ce que tu as envoyé, est-ce que tu as pu envoyer le mail, le message? Est-ce que tu as pu m'envoyer le message sur Messenger? Il y a plein d'adresses. J'ai plein d'adresses comme la mienne. J'ai partagé le lien. Attends que je remette ça alors. J'ai partagé dans les commentaires le lien de ma page Facebook. Tu es sur Facebook, donc. OK. Marie, voilà, je viens de partager encore le lien. Mais en fait, tu regardes à partir d'où? Parce que si tu regardes, tu es déjà sur Facebook, tu n'as plus à aller regarder d'autres adresses. Tu vas directement, à partir de là où tu te trouves, tu peux directement m'écrire le truc, le mail, quoi, le message, quoi. Tu n'as pas besoin de ressortir et revenir, en fait. Mais voilà déjà le lien, je te donne le lien de... Ou bien tu regardes sur YouTube. Non, tu regardes sur Facebook. Je vois que tu regardes sur Facebook. Donc, Marie, ou du moins, après le live, si tu ne parviens pas à le faire, après le live, je vais te contacter et puis on va faire ça comme ça. Si tu ne parviens pas à m'envoyer un message, ce n'est pas grave. Je vais te contacter après l'émission. OK. Alors, Amel demande pour que le système fonctionne, vous avez besoin de contrôler nos sites web où vous faites par des canaux indépendants. Non, je n'ai pas besoin de contrôler. C'est vrai que j'ai besoin d'avoir des données d'accès,
Par exemple, parce que il faut installer, il faut la landing page, ça peut être si vous avez un site web, la landing page va être sur votre site web. C'est vrai qu'il y a aussi des solutions aujourd'hui qui permettent de faire des landing pages sans avoir besoin d'un site web. Mais c'est toujours mieux quand vous avez un site web de créer votre landing page directement sur votre site web. Donc, si vous avez un site web, vous me donnez, sur les sites web, il y a plusieurs manières. Je n'ai pas les droits d'administrateur, non. Il y a plusieurs manières. Je crois qu'il y a plusieurs rôles qu'on peut déterminer, qu'on peut déterminer pour pouvoir travailler avec des personnes extra à l'entreprise. Donc, ouais, je ne sais pas si Armel, j'ai répondu à votre question, si c'est clair. Sinon, je ne sais pas, on peut aussi entrer en contact après l'émission. Mais je n'ai pas, j'aurais besoin des données d'accès pour installer, par exemple, pour créer, par exemple, une landing page sur votre site. Après aussi, peut-être l'outil que vous utilisez pour récolter les mails, l'autorépondeur, par exemple. Là aussi, j'aurais besoin des données d'accès pour pouvoir faire ce travail-là. Ça, c'est si je dois faire ça pour vous, en fait. Ah, sinon, c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas encore proposé, mais l'idée me vient de plus en plus de peut-être créer un coaching où je vais expliquer comment faire. Et là, la personne, et là, quelqu'un, chacun peut faire soi-même. Je mets à disposition un coaching où j'explique. Qu'est-ce qu'il faut faire en premier? Comment est-ce qu'il faut créer sa landing page, par exemple? Comment est-ce qu'il faut relier l'autorépondeur à son formulaire de contact? Comment est-ce qu'il faut créer sa première campagne? Donc, ça, c'est aussi quelque chose que je pourrais peut-être, une offre que je pourrais créer et qui pourrait peut-être résoudre aussi le problème dont Armel a parlé. Si vous ne voulez pas donner, créer l'accès à des personnes extérieures à votre entreprise. Alors, oui, Armel, on en reparlera, d'accord. OK. Donc, voilà, j'ai parlé pendant bientôt, ça va bientôt faire 1h30. Et maintenant, je pense que c'est le moment de vous donner votre cadeau. Pour les personnes qui... C'est vrai que ce cadeau, ce n'est pas pour tout le monde. Ça va pas... Vous pouvez, tout le monde, vous pouvez tous le télécharger si vous le souhaitez. Mais ça ne va pas vous être utile si vous n'avez pas encore vraiment de site, hein, de site en ligne, de business en ligne. Parce que c'est un... J'ai appelé ça le guide pratique de l'automatisation de l'e-commerce automation pour les débutants. Donc, dans ce guide, j'explique encore c'est quoi le e-commerce. Je vous donne quelques avantages j'explique c'est quoi le e-commerce automation, pas le e-commerce. Je vous donne quelques avantages de l'automatisation pour votre business en ligne. Et à la fin, j'ai vraiment pris, je vous ai partagé une campagne de bienvenue que vous allez pouvoir implémenter. C'est vraiment quelque chose qui est déjà prêt à l'emploi. Vous allez juste le reproduire sur votre site, sur votre autorépondeur et vous aurez une campagne déjà faite, quoi. Donc, c'est pour cela que j'ai appelé ça aussi le guide pratique parce que c'est vraiment un workflow qui est prêt à l'emploi. Donc, et c'est pour cela que je disais que pour les personnes qui n'ont pas encore le site, cette partie-là, par exemple, ne va pas vous aider parce que vous n'avez pas encore quelque chose à automatiser. Mais vous pourrez déjà aussi quand même à savoir un peu plus. Vous pourrez déjà vous informer un peu plus sur l'automatisation du e-commerce. Donc, je vous mets le lien dans les commentaires. Alors, attendez que je le retrouve. J'ai beaucoup de liens ici. Donc, voilà.
Oh là là, j'ai l'impression que Instagram, c'est toujours lésé. Tout ce que je fais, c'est sur Facebook. Mais je vais également publier le lien. Comme j'ai dit, je vais partager au courant de la semaine un post déjà qui va expliquer le parcours client que j'ai expliqué également ici à Facebook. Je vais expliquer ça également pour ma communauté d'Instagram. Et je vais également vous mettre le lien pour le lien pour télécharger ce guide si ça vous intéresse. Donc voilà. Donc les amis, voilà, j'ai partagé le lien. J'espère que vous l'avez reçu, vous l'avez bien reçu. Donc vous pouvez télécharger votre fabuleux cadeau. Vous pouvez télécharger votre fabuleux cadeau. C'est un guide, comme je dis, un guide pour l'e-commerce automation pour les débutants. Ça va vraiment vous permettre de lancer votre première campagne et de récolter et de générer des prospects. Parce que c'est ça le but, générer des prospects qui vont devenir des clients et qui vont faire grandir notre entreprise. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Vraiment, je vais me faire un plaisir d'y répondre. Mais si vous n'avez pas de questions, moi, je vais aller me reposer et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, ce sera pas dans le cadre de Spotlight, ce sera toujours dans le cadre de Makit. Et on va parler d'un autre thème. Je vais encore définir le thème. Peut-être ce sera l'email marketing. Je ne sais pas. Et puis, vous pouvez aussi me dire, peut-être vous pouvez me dire ce qui vous intéresse et ce dont vous aimeriez que je parle. Ce serait peut-être aussi bien comme ça. Au moins, je suis sûre que ce que je vais partager, ce que je vais vous présenter, c'est vraiment quelque chose dont vous avez besoin, en fait. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou à m'envoyer des messages ou à travers les commentaires sur les posts que je fais sur mes réseaux. Vous pouvez me poser des questions et en fonction de ces questions, je vais créer du contenu, je vais vous répondre pour que vous soyez vraiment pour être sûr que ce que je partage vous apporte vous apporte de la valeur. Excusez-moi, vraiment, peut-être je vais couper le micro. Marie demande comment formuler le post pour attirer les followers. OK. Marie, je vais prendre le temps de répondre à ta question sous forme de post. OK? Ça te va comme ça? Parce que là, je ne peux pas développer, je ne peux pas te développer comment. Il y a beaucoup de points qu'il faut prendre en compte et je vais prendre le temps de répondre à ta question sous forme de post. Donc, je sais que tu es déjà abonné à Afro Entrepreneur Network, mais je ne sais pas si tu me suis également sur Makit.marketing, parce que c'est là-bas que je publie tout mon contenu en relation au marketing digital. Donc, si tu n'es pas encore abonné sur mes pages Facebook, Instagram, Makit.marketing, n'hésite pas à le faire. Je vous recommande vraiment vivement Instagram, parce que vraiment sur Instagram, je poste tous les jours. Sur Facebook, je poste de temps à autre et je fais plus de live sur Facebook. Maintenant, je ferai aussi plus de lives sur Instagram. Mais voilà, vous pouvez me suivre de toute façon sur les deux plateformes. C'est gratuit, totalement gratuit. Et très bientôt également, je pense que ça va se faire la semaine prochaine. Je pense que pour le live de la semaine prochaine, j'aurai déjà créé un groupe privé Facebook. Je le dis depuis 2 semaines, mais je n'ai pas encore pu finaliser le groupe, vraiment désolé. Donc, je vais créer un groupe. Et le but de ce groupe sera vraiment d'avoir des personnes qui sont vraiment intéressées par la thématique. Parce que là, maintenant, je fais un live, tout le monde peut regarder, mais tout le monde n'est pas intéressé par ça, en fait. Tout le monde n'est pas intéressé par ça. Alors que dans le groupe, on est sûr d'avoir des personnes qui s'intéressent à l'automatisation du marketing. Et le contenu que je vais également partager dans ce groupe sera aussi un contenu exclusif. Sera aussi un contenu exclusif. Qui va intéresser aussi juste les personnes qui sont intéressées par la thématique du marketing
digital ou de l'automatisation du marketing digital. Excusez-moi. Donc, une fois que le groupe sera créé, je vais vous partager le lien. Et ce que je vais également faire avec les groupes, ce sera des challenges. Le premier challenge sera pour avril. Hier, j'ai commencé à travailler sur le contenu de ce challenge. Donc, ça sera un challenge sur... Je pense que Marie, ça va t'intéresser. Parce que ça sera vraiment un challenge. Comment générer des prospects avec un freebie. Un freebie, c'est ce que j'appelle aussi lead magnet. C'est le cadeau que vous offrez gratuitement à votre communauté. Donc, je vais lancer ce challenge. Ce sera juste un challenge de quelques jours. On va peut-être prendre, je ne sais pas encore exactement combien de jours. Ça va peut-être 4 ou 5 jours. Et pendant ce challenge, on va ensemble créer vraiment toutes ces étapes-là. On va créer un freebie. On va créer une landing page. On va commencer à générer des prospects à travers ce qu'on aura offert. Donc, ça sera vraiment d'abord une étape très soft. On va commencer vraiment d'abord très soft, comme ça. Et puis, pour pouvoir aussi, pour les personnes qui ne sont pas encore, qui ne s'y connaissent pas encore vraiment avec l'automatisation, de commencer à s'introduire tout doucement dans l'automatisation du marketing. Donc, je pense que ça va être intéressant. Vraiment, j'ai hâte de terminer. C'est pour ça que je dis que la semaine prochaine, déjà, je vais mettre le groupe en ligne. Et puis, vous pourrez rejoindre le groupe. Et c'est uniquement dans les groupes-là qu'on fera les challenges. Les challenges, je ne les ferai pas pour tout le monde. Les challenges seront vraiment uniquement pour les personnes qui sont... dans ce groupe privé. C'est un groupe privé, ce n'est pas un groupe public. Et avant de rejoindre le groupe, parce que justement, je veux que la communauté dans le challenge soit des personnes qui ont vraiment l'intérêt, qui ont vraiment cet intérêt-là, en fait, qui s'intéressent vraiment au marketing, à l'automatisation du marketing digital. Il y aura un questionnaire, mais ce sera juste des petites questions soft pour vous demander. Anyway. J'arrête de parler de ça. Quand c'est prêt, je vais publier le lien. Et puis, on va s'amuser. On va très bien s'amuser. Ça sera super. Ça sera cool. Donc, Marie, je réponds à ta question sous forme de post. J'espère que c'est OK pour toi. Et puis, voilà. Bien, les amis, j'ai donné tout ce que j'avais à donner aujourd'hui. Je pense que j'ai vraiment donné tout ce que j'avais à donner aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Merci, merci, merci à toutes les personnes qui ont été connectées. Merci pour vos questions. Merci pour vos interactions. C'est magnifique, vraiment. Ça fait très plaisir. Il y a quelqu'un que je n'ai pas vu. Roméo, bonsoir. Monsieur Mvogo, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Merci d'être là. Tu es arrivé à la fin. Mais si la thématique t'intéresse, tu pourras le replay. Comme j'ai dit, le replay sera... sur ma chaîne YouTube qui est en cours de création et tu pourras regarder le début du live de ce côté-là. Je pense qu'il y a également Roger en début d'émission qui demandait si je vais publier le lien. Donc, en tout cas, le lien du replay, je vais le publier, ça c'est sûr. Voilà, donc merci vraiment les amis d'avoir été là. Merci pour tous vos partages, pour vos likes, pour vos questions, vos interactions. C'était magnifique. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Le thème sera spécifié sera publié au courant de la semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, donc dimanche prochain, 18h de Berlin, 17h GMT, pour un nouveau live, pour apprendre, pour un nouveau... ce ne sera pas Spotlight. Ça sera un live de Makit. Donc, voilà. Donc, bonne soirée à tous. Et puis, portez-vous bien, restez en santé. Moi, je vais essayer d'aller soigner le début de rhume que je commence à avoir. Allez, portez-vous bien. Au revoir.